Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. En tout cas, je suis très heureux encore une fois de plus d'être devant vous pour un nouveau numéro où nous allons parler encore de notre chère République démocratique du Congo et l'organisation, comme vous l'avez lu, de l'armée, la sécurité, disons l'armée, la police et le service de sécurité dans les 145 territoires. Ici, nous sommes toujours sur cette lignée où nous continuons avec ce sujet-là de la révision de la Constitution. Et cette fois-là, nous sommes décidés que nous allons faire ça en deux temps. Donc aujourd'hui, nous allons vous présenter le fait qui se trouve donc dans ce secteur-là de l'armée, la police et le service de sécurité dans les 145 territoires. Ça, nous sommes en train de vous dire que non. Le programme de développement va aller dans ce sens-là où nous voulons rétrocéder le pouvoir à la base. Et ici, aujourd'hui, donc dans les deux émissions que nous allons suivre, nous allons faire aujourd'hui, disons dans les deux jours ou trois jours qui vont suivre, nous allons parler de l'armée, de la police et du service de sécurité dans les 145 territoires. Et cela nous prouve avec beaucoup plus de conviction pourquoi nous devons changer cette constitution. Parce que la gestion de l'armée, la gestion de la police, la gestion du service de sécurité cause aujourd'hui problème en République démocratique du Congo avec la constitution actuelle. Si nous voulons nous hasarder, disons, nous voulons aller dans le sens de donner le pouvoir à la base, nous devons aussi repenser comment est-ce que nous allons gérer notre armée, la police et le service de sécurité. C'est ça qui va constituer l'ossature de deux omissions que nous allons faire sur ce sujet-là. Alors, comme toujours, nous annonçons nos émissions, on vous informe, donc on vous lit les grands titres des journaux qui paraissent sur Internet. Ces journaux-là, nous les avons choisis à cause de leur crédibilité et à cause du grand travail qu'ils abattent pour nous informer. C'est pour cela, au lieu de vous donner des magazines comme ça sans information, parce que aussi nos émissions consistent à avoir l'information et la Constitution, comment elle se marie. Est-ce que le gouvernement actuel, est-ce que ceux qui sont au pouvoir actuel, comment ils se comportent vis-à-vis de notre Constitution? Alors, donc, allons dans les grands titres à la une des journaux qui paraissent sur Internet ce matin, et puis nous reviendrons tout de suite pour le développement de notre sujet, l'armée, la police et le service de sécurité dans les 145 territoires. Voici les grands titres à la une des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par election-net.com. EPST accusé de détournement, deux proches de Tony Mwamba en fuite. Et puis RDC toujours, diocèse de Kikwit, l'abbé Michel Atuyalusa Mboudikila interdit d'exercer la mission sacerdotale en RDC. Et puis tout savoir sur la démission ce mercredi d'un ministre du gouvernement Samalou Kondé. On va sur actualité.cd. Pollution des rivières Chikapa et Kasai, les attentes du réseau de femmes par rapport au procès. Procès Tchebea, la haute cour militaire a ordonné la réouverture des débats pour la comparution notamment de Douglas Numbi et de général Pondé. Congo profond, le scandale de l'immeuble de la Mimico, le silence de la Cour de cassation inquiète Ilunga Jean Mukendu, veut saisir la justice internationale. Or, Kibali avance pendant que Barrick projette de nouveaux investissements en RDC. Et puis, Jordanie, ici, RDC, Rwanda, en Jordanie, Tshisekedi et Kagame échangent sur la coopération de deux pays. Et puis, le professeur relance la grève dans les universités et instituts supérieurs. On termine par Radio Okapi. La communauté humanitaire a besoin d'un milliard de dollars américains pour répondre aux besoins des humanitaires dans l'est de la RDC, sondage Bercy, moins de 30% des Congolais interrogés ont une opinion favorable à Félix Tshisekedi. On se revoit prochainement dans un nouveau numéro. Au revoir.
Alors, merci beaucoup en tout cas pour votre fidélité, chers amis. Je suis très émerveillé et puis je suis très content pour les gens qui sont en train toujours de nous donner confiance en s'abonnant, en partageant nos émissions. Ceci dans le fait que les idées qui sont émises ici, cette idée est vraiment géniale, comme vous le continuez à me le dire. C'est une idée vraiment qui commence à être adoptée à partir de Kinshasa. Mais vous regardez, mes chers amis, la cacophonie dans laquelle nous sommes à Kinshasa, où les députés provinciaux ont été invités dans un programme de 145 territoires mal conçus, mal perçus, et ils s'y engagent comme ça. Et c'est ça que nous disons, réfléchissons d'abord, mettons les bouchées doubles sur le projet dans lequel nous sommes en train de faire. Nous ne pouvons pas commencer quelque chose que nous ne savons pas comment elle va se terminer. L'exemple typique aujourd'hui, c'est celle de l'état de siège de notre pays. L'état de siège qu'on a lancé à l'est de notre pays, donc dans la région du Nord Kivu et de l'Ituri. Les deux régions-là sont en état de siège. La continuation de cet état de siège ne fait plus aucune actualité. Donc ça devient normal que les gens ont dit... Donc l'état de siège est devenu en papier, donc ça se trouve sur le papier. Maintenant, en proclamant cet état de siège, ça nous met aussi dans une posture où les démanteler ou bien déclarer la fin de cet état de siège, ça cause problème. Pourquoi? Parce que le pays, nous ne restons qu'avec une année où nous devons aller aux élections. Allons-nous aller aux élections dans cet état où il y a des parties du pays où il y a l'état de siège? Ça devient une question très très importante. Alors, d'autres langues à Kinshasa se disent que non, il faut d'abord lever cet état de siège afin que nous puissions retourner à l'état normal. Est-ce qu'il est possible de retourner à l'état normal aujourd'hui? Ça, c'est la question. Est-ce que si on levait cet état de siège, combien de temps ça va nous prendre à ce qu'on rétablisse? Bien sûr, il y a des autorités civiles qui sont là. Est-ce que l'impact qu'on est en train de dire aujourd'hui que non, on est en train de faire les avancées, on est en train de faire avancer les lignes, il y a la sécurité qui revient selon l'État, selon le gouvernement, mais sur le terrain, les morts continuent à être observées, on continue à tuer, il y a des bavures qui continuent à se faire voir tous les jours. Donc, on se pose la question, est-ce que l'état de siège, ce sont des tas de papiers ou comment? Quel est le mécanisme? Tout ça, c'est parce que cet état de siège a été implémenté sans l'avoir vraiment conçu. Comment est-ce que nous allons faire les bouchées doubles? Je vous avais dit ici une fois de plus que l'état de siège ne pouvait pas réussir tant que nos frontières ne sont pas encore fermées. J'avais demandé à ce que si nous allons faire l'état de siège, il y avait des mécanismes qu'on devait mettre en place pour que cet état de siège puisse réussir. Nous avions dit qu'il fallait changer les militaires, qu'il fallait absolument écouter le peuple à la base. C'est-à-dire que le peuple avait des solutions. Rappelez-vous avec ce sit-in des élèves qui étaient au mairie de Beni. Il y avait tout un canevas qu'on devrait présenter au président de la République pour qu'on puisse mettre cet état de siège et remplacer pratiquement les soldats, les militaires qui sont impliqués dans ces histoires-là de tuerie. Ce n'est plus approuvé. Aujourd'hui, je vais vous expliquer, et dans cette émission d'aujourd'hui, et la seconde, vous comprendrez qu'il n'y a pas moyen de mettre un état de siège pendant que nous, dans la pratique, c'est le normal. Les gens continuent à vaquer à leur population. On ne connaît pas l'ennemi. On ne sait pas bouter l'ennemi dehors. On ne sait pas localiser l'ennemi. On n'a pas mis les mécanismes pour localiser l'ennemi. Donc, nous sommes toujours en train d'aller dans les vagues. Donc, allons-y dans cet état de siège. Allons voir comment est-ce que ça va donner. Nous sommes quand même des intellectuels, nous sommes des hommes, nous devons réfléchir avant d'appliquer une certaine mesure. Alors, parlons-y maintenant de l'armée dans les 145 territoires, de la sécurité et de l'insécurité dans ces 145 territoires. Souvenez-vous, mes chers amis, que nous sommes en train de nous battre pour que
le projet de 145 territoires soit implémenté de la manière juste, de la manière dont nous l'avons conçu. Parce que nous nous sommes dit, il y a des préalables que nous devons avoir avant que nous puissions réaliser le projet de 145 territoires. Le projet de 145 territoires consistait donc à rétrocéder le pouvoir au peuple à la base. C'est-à-dire que les régions dans lesquelles il y a l'état de siège n'étaient pas seulement isolées. La solution devra être globale sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo afin de préparer une nouvelle texture, une nouvelle monture, une nouvelle législation, un nouveau Congo que nous appelons ici la 4e République. Nous nous sommes dit, c'est ça le projet qui devrait être implémenté, où nous appellerons les populations à la base, à un dialogue, à une conférence, aux états de lieu que moi j'ai appelé ici, aux états de lieu de ces territoires-là. C'est-à-dire que nous devrions préparer la 4e République qui devrait entrer en vigueur en 2023. Aujourd'hui, les gens sont en train de discuter sur la Constitution. Oh non, il faudrait changer tout ça. On est en train de faire des supputations inutiles. On ne réfléchit pas. On commence toujours à voir à quels sont mes intérêts. Modifier cette constitution pour que nous puissions nous accommoder, pour que quelqu'un puisse garder la magistrature. On ne pense pas à la République, on ne pense pas à la gestion de la République. Nous nous sommes dit, toutes les choses doivent être préparées et mettre les contours doubles. Si aujourd'hui l'Ukraine ou bien la Russie est en train d'attaquer l'Ukraine, ce n'était pas venu comme ça. Ils savent qu'est-ce qu'ils vont s'attendre. Ils savent les résultats auxquels ils doivent s'attendre lorsqu'ils vont attaquer l'évasion de l'Ukraine. Poutine a essayé un peu d'étudier, de se dire s'il y a des sanctions économiques, qu'est-ce que je ferai. On a tout. Mais chez nous, ça ne se fait pas ainsi. On se réveille d'un coup, on dit, bon, ok, les députés provinciaux, venez. Ils viennent, on les informe d'un projet qu'eux-mêmes ne maîtrisent pas. Ils conçoivent quelque chose qui sera difficile à appliquer. On donne des chiffres imaginaires. On dit qu'on va vous faire ça. Ça devient de la démagogie, mes chers amis. Alors, je vais d'abord vous défiler certaines images. Ces images ici vont vous faire voir à quel point le gouvernement central aujourd'hui n'est pas capable de maîtriser l'armée. Il n'est pas capable d'assurer la sécurité de toute la République démocratique du Congo. La sécurité, l'armée, les services, la police, tout, il y a du désordre et du désordre. Nous avions proposé à ce que, par exemple, lorsqu'il y avait l'état de siège, qu'on puisse faire un retrait carrément de FARDC, de tout homme en uniforme, pour que nous puissions implémenter
force qu'on appellerait la force, la police de proximité, qui devrait assurer la sécurité et puis déceler. Ça devrait mettre l'implication de la population dans la chasse à ces ADF, à tout ça. Nous avions un plan ici. Aujourd'hui, Kinshasa n'est pas capable. Alors, suivons ces images, et je vous exempte vraiment des images avec des groupes armés qui font des déclarations intempestives. Pourquoi ? Parce que beaucoup de gens vont dire que non, je suis en train de faire la promotion des groupes armés. Non, loin de là. Mais suivons quand même ces 2, 3, 4 minutes de ces images qui défèrent l'actualité, et j'espère que vous l'avez suivi dans les réseaux. Et puis nous revenons tout de suite après pour que nous puissions vous dire maintenant comment nous allons gérer l'armée, comment nous allons gérer la police et comment nous allons gérer les services de sécurité dans les 145 territoires. On est en train de travailler là-dessus et nous ne voulons pas jeter le pavé dans la mare, les services travaillent, les rapports sont envoyés à qui des droits. Mais les gens qui s'agitent, si vous voyez les gens s'agiter, c'est qu'il y a quelque chose. Les gens ont peur qu'on puisse les citer. La grande guerre aujourd'hui, on veut mettre fin à l'état des sièges pour que les secrets ne soient pas connus. Mais c'est déjà trop tard. Ces secrets sont connus. Et si vous avez entendu le président du Sénat demander aux députés de se désolidariser avec vous, mais c'est avec raison. S'il en a parlé, c'est parce qu'ils ont reçu des rapports concrets. On connaît qui fait quoi, qui finance quel groupe armé. Aucun n'a été interpellé. L'armée n'interpelle pas. L'armée ne peut faire que des rapports. À qui des droits ? C'est à la justice et à ceux qui des droits-là d'interpeller. C'est pas nous. D'ailleurs, vous avez senti l'interpellation du président de l'Assemblée nationale. C'est déjà une interpellation. Et quand il est dit, c'est qu'il a déjà pointé des gens, des politiques qui sont avec les groupes armés. Si on nous demande d'arrêter, on va arrêter. Et si nous apprenons qu'il y a quelqu'un dans cette province, et c'est la loi sur l'état de siège qui nous l'autorise, qui est avec les groupes armés, nous avons le droit de mettre la main sur lui et ou alors de l'envoyer ailleurs, de l'expulser de l'espace Nord Kivu. C'est la loi qui nous l'autorise. Communiqué numéro 003/22 de l'armée révolutionnaire congolaise M23. Comme nous ne cessons de signaler que depuis le mois d'octobre 2021, que les FRDC attaquent nos positions, et nous voulons vous signifier encore que depuis le 25 janvier 2022 jusqu'aujourd'hui le 19 mars 2022, les FRDC multiplient les attaques contre nos positions de Mikenon, Karisimbi, Visoke et Sabine. Sur ce, nous prenons en témoin l'opinion tant nationale qu'internationale que l'armée révolutionnaire congolaise est obnubilée à rechercher par tous les moyens la paix. Mais ces régimes refusent intentionnellement de faire la paix. De ce fait, nous nous réservons les droits de défense et continuerons la lutte pour le changement rationnel dans notre pays. Fait à Sarambwe, le 19 mars 2022, Major Willy Ngoman, porte-parole de l'armée révolutionnaire congolaise. Je vous remercie. Voilà, moi je ne commente pas ces vidéos, je ne les commente pas, je vous fais tout simplement voir que l'armée est en train de dire quelque chose sur le terrain, d'autres choses est en train d'arriver. Ils nous disent que non, ils ont conquéri des territoires comme ceci, et pendant ce temps, c'est sur ce même territoire qu'ils disent qu'ils ont conquéri, qu'il y a des tueries, on ne parvient pas à mettre la sécurité sur les routes, tout est en désordre. La dernière, vous aviez vu que non, le président de la République est parti avec Museveni, inauguré, disons, se proposer qu'ils vont faire un projet de construction d'une route qui va de l'Ouganda jusqu'à Beni et Beni jusqu'à Butembo. Et cette route pourrait aller même jusqu'à aller à Isiro et puis à Bunia. Mes chers amis, quel est l'intérêt des Ougandais à venir mettre, bon, à venir construire des routes dans un pays qui n'est pas le leur? L'intérêt, c'est pratiquement l'intérêt économique. Et sur ces tronçons-là, il y a de l'insécurité impossible. On brûle chaque jour, on tue. Et l'Ouganda se permet de se dire que non, nous allons quand même y aller. Et vous allez voir, le Congolais maintenant devient là, ils se disent que non, nous allons assurer la sécurité. Les camions sont entrés la semaine passée.
Ils ont commencé, ils ont dit, bon, nous allons... La première pierre était déjà posée par le président de la République, mais il y a 3 jours que les camions pour la construction de ces routes-là vont commencer. Malgré ça, il y a l'insécurité totale. On ne peut pas faire 2 jours sans que sur ces routes-là, on n'ait pas brûlé de camions ou on n'a pas tué des gens dans les villages. Alors, quelle est la solution que nous nous proposons ici sur la gestion de l'armée, de la police et des services de sécurité? Dans la 4e République, nous avions dit que nous devons changer la Constitution. La Constitution, pour la changer, ce n'est pas un acte de politiciens ou de membres de l'Assemblée maintenant, non. La Constitution devra être discutée dans les 145 territoires. C'est comme ça que je me suis dit, ça doit être une discussion citoyenne. Et pour cela, nous avions proposé à ce que le président de la République puisse suspendre le Parlement, suspendre le Sénat et avoir un gouvernement de transition. Il peut proclamer ce même gouvernement qu'il a aujourd'hui, qu'il le proclame un gouvernement de transition afin d'organiser ces assises-là qui se chargeront, ces assises dans les 145 territoires, qui se chargeront de réfléchir sur une nouvelle constitution. Combien ils vont réfléchir sur toute la matière de la Constitution. Donc, le président de la République, est-ce que faudrait-il que nous puissions avoir un Sénat et faudrait-il avoir un Parlement? Et maintenant, comment nous allons gérer la sécurité, l'armée et la police et donc l'armée, les services de sécurité et la police dans les 145 territoires? Ça doit être de la matière qui devra être discutée dans ces groupes-là, dans ces assises-là, que nous disons que les états de lieux de territoire. Donc, dans ces assises-là, nous devrons avoir des gens qui doivent... Le peuple congolais devrait se dire, par exemple, qui doit être enrôlé dans notre armée, dans notre territoire? Comment est-ce que nous allons assurer la sécurité dans notre territoire? Quels sont les services de sécurité qui devront fonctionner dans notre territoire et ils répondront à qui? N'oubliez pas que je vous ai dit que ici nous ne sommes pas dans la discussion. Nous devons réfléchir sur ce qui viendra être implémenté en 2023, disons en fin 2023 lorsque nous aurons les élections présidentielles. Donc, l'armée, chaque territoire devrait disposer d'une armée qui est intégrée dans l'armée nationale. Chaque territoire devrait avoir un commissaire de district. Nous devons avoir des corps d'armée dans chaque territoire. Et cela devra être discuté par l'administrateur de territoire. L'administrateur de territoire, avec son équipe, nous devons savoir au niveau des territoires combien d'hommes d'armes, quels sont les nombres d'armes que nous avons dans notre territoire. Quels sont les services de sécurité, les services de renseignement dans les territoires devront être assurés par qui? Et ils devront répondre à qui? Mes chers amis, l'exemple typique que nous pouvons illustrer ici, c'est celui qui se passe au Katanga. Vous allez voir que les opérateurs économiques, les Chinois qui font les mines là-bas, ils sont protégés par Kinshasa. Les gens au Katanga n'ont rien à dire. Et vous allez voir les politiciens qui quittent Kinshasa pour venir exploiter les mines au Katanga sans que les Katangais eux-mêmes ne puissent dire un mot. Et cela doit s'arrêter, cette récréation doit s'arrêter. Et donc, les états des lieux devront définir quels sont les hommes en armes qui devront assurer notre sécurité ou bien défendre le territoire pendant leurs exercices. Nous ne devrons plus avoir les gens qui viennent d'ici, que nous ne connaissons pas, qui sont en train de servir dans notre armée, dans un premier temps. C'est ce que je suis en train de dire. Ce n'est pas une division. C'est-à-dire que dans chaque territoire, les enfants de ces territoires-là devront assurer l'armée, devront assurer la sécurité, les services de renseignement. On devra recruter les enfants de ces territoires-là pour dire, par exemple, les contrôles des frontières, les contrôles de ce qui sortent pour que les gens qui exercent leur pouvoir
puissent être sûrs que non, les mesures qu'ils sont en train d'apprendre, ils devront s'appuyer sur, par exemple, les avocats, les services de sécurité de cet territoire-là. Nous devons avoir des maisons pénitentiaires dans chaque territoire. C'est ça la décentralisation, c'est ça la rétrocession du pouvoir à la base. S'il y a d'autres territoires qui n'ont même pas de soldats dans la grande armée, comment est-ce que nous allons faire? Nous allons faire ceci. C'est comme ça que nous nous sommes dit, dès que les territoires auront constaté par exemple que non, ici, dans notre territoire, nous sommes par exemple 300 000 personnes. Et que ces 300 000 personnes, nous prévoyons que nous devons avoir au moins 50 000 personnes dans le service des armes et la police et la sécurité. Si nous devons avoir 20 000 hommes, c'est aux administrateurs de territoire de faire des propositions, de donner des propositions afin d'inciter le peuple de ce territoire-là être au service de la sécurité de leur territoire. Ces armées, ces polices-là, donc identifiées dans les territoires, seront maintenant intégrées dans la grande armée qui sera l'armée de la République démocratique du Congo, mais dirigée et dont les responsabilités seront aux mains des administrateurs des territoires et les gens qui seront à la tête des armées seront en principe sous la botte de l'administration. Ils ne devront plus avoir des injonctions à partir de la capitale. Pourquoi? Parce que c'est de la capitale d'où viennent tous les maux. Tous les mots viennent de Kinshasa, mes chers amis. Babiloko nyon sotozo mona awa eza ko uta na Kinshasa. Parce que na ba territoire neti ya Katanga kuna. Oko mona ba chinois baza ko exploiter moutou nyo ya Katanga ka ngea lo babo alobite. Ngana ko beta telephone moutou ya Kinshasa ne moutou ya kosolo lana bino. Donc vous n'avez pas à nous donner des ordres. Or, si la base a le pouvoir, il devrait être à mesure de contrôler tous les opérateurs économiques et même ceux qui doivent payer les taxes, les commerçants, tout le monde devrait s'impliquer en se disant que awe pa na biso to sakana kate, awe pa na biso makambo ezala kate ako sakana. Soki ba na sali mbeba ba kokanganga awa ba komona ngai. Mais aujourd'hui, les gouverneurs répondent sur le président de la République. Donc l'armée et la service de sécurité devraient être en principe, sous le contrôle des administrateurs et des gouverneurs de province. La province devrait savoir combien d'hommes d'armes nous avons, quelles sont les armes que nous avons ici en province. Et le besoin de ces armes-là devront être définis par les gouverneurs et les administrateurs de territoire. Ça devrait n'être qu'en province pour que les gens en province puissent vraiment sentir que non, ici nous sommes protégés par nous-mêmes. Personne ne peut venir nous dire quoi que ce soit. S'il y a un intrus, notre service de sécurité devra être déjà informé et que l'administrateur de territoire, la sécurité du territoire devra être de prendre des mesures en se disant que nous avons un intrus, nous avons des gens qui sont venus ici non identifiés, tout ça. Tout ceci, Bandeko, les gens des groupes armés que nous appelons les groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo sont en train d'appeler. Ils sont en train de se dire, venez ensemble, nous allons nous mettre ensemble. Les images dont je vous ai montré ici, vous pouvez distinguer qui est FARDC et qui ne l'est pas. Tous ont le même tenu avec tous les autres. Alors, l'ennemi, comment est-ce que vous allez le distinguer? C'est ça le grand problème. Le grand problème, c'est celui-là. Donc, encore une fois de plus, en attendant que nous puissions aller dans la deuxième partie que vous suivrez, ne manquez pas, vous suivrez donc dans deux ou trois jours. Dans la deuxième partie, nous allons encore mettre des déclarations. Les déclarations de ces jeunes gens de groupes armés. On a identifié combien de groupes armés. Selon le GEC, groupe d'études sur le Congo, ils ont identifié pour l'instant, au 23 mars, il y a à peu près 140 groupes armés. Si vous allez à partir de Isiro jusqu'à vers le Katanga là-bas, il y a à peu près 140 groupes armés. On a inventé les DDR,
Tout ça n'a pas réussi, ça ne résout pas le problème. Le problème, mes chers amis, comme je suis en train de vous dire, c'est la rétrocession du pouvoir. Tout le monde veut le changement. Et que tout le monde là, si on les appelait sur une table de négociation, si le président déclarait que non, à partir d'aujourd'hui, les gens de chaque territoire doivent se mettre sur une table et qu'ils doivent d'abord discuter leurs problèmes économiques, discuter la marche, la bonne marche de leur territoire, que tout le monde, que tous les politiciens, tous les hommes en armes, cessez vos armes, venez. On ne va pas arrêter quelqu'un, mais nous appelons tout le monde. Et tous ceux qui doivent se reconnaître dans les territoires puissent aller et discuter sur une constitution, discuter sur la sécurité de leur territoire, discuter quel est le pouvoir de l'administrateur des territoires, d'où proviendront ceux qui doivent diriger les territoires, d'où proviendront les gens que nous enverrons aux provinces et à l'Assemblée nationale. C'est ça le problème que nous sommes en train de dire. Le projet de 145 territoires devra être un projet où les gens doivent se mettre sur une table et discuter les grands problèmes et discuter sur la constitution qui devrait prendre l'application dans la seconde mandature ou la magistrature qui va être implémentée à partir de 2023. On ne peut pas se réveiller aujourd'hui. C'est que les députés sont en train de se dire que non, nous devons changer ceci, nous devons changer ceci. C'est biaisé. Ce qu'il faut faire, c'est que préparons cette 4e République, préparons cette nouvelle Constitution, mettons les discussions, engageons-nous sur le dialogue. C'est ça le changement que nous voulons en République démocratique du Congo. Le changement, c'est de voir les choses qui se faisaient et toutes ces cacophonies que nous nous mettions ensemble pour que nous puissions aller pas à pas. Ce n'est pas en se réveillant aujourd'hui, on dit non, on va changer la Constitution et ça sera changé demain. Non! Nous devons préparer cette histoire-là. Nous devons voir qu'est-ce qui ne va pas. Est-ce que le peuple peut s'engager, peut dire un mot sur le changement de la Constitution? C'est ça que nous nous sommes dit. Nous chitons sur la convocation des états de lieux de province qui sera des grandes, des grands événements où le peuple devra se mais sur la nouvelle constitution qui sera applicable à partir de 2024 ou bien 2025 ou bien 2023, fin 2023. Ce n'est pas qu'on change aujourd'hui et que nous allons aux élections qui sont mal conçues. Nous devons réfléchir sur l'identification. Il y a toute une litanie de choses à faire. Voilà un peu ce que j'avais à vous dire dans cette partie, première partie où nous parlons de l'armée. La police et le service de sécurité, comment est-ce qu'elles doivent être intégrées dans le projet de 145 territoires, afin que le pouvoir puisse être vraiment, que le peuple puisse sentir effectivement que non, nous avons le pouvoir à diriger et à contrôler notre province et que nous avons le pouvoir de dire que non, ceci doit être fait de cette manière ici, ceci doit être fait de cette manière, que nous n'avons plus à avoir des injonctions à partir de Kinshasa. Voilà, on se limite ici aujourd'hui en espérant que nous avons éveillé la conscience de quelqu'un. Nous vous encourageons vraiment de partager l'émission. À tous ceux qui sont venus pour la première fois, vraiment, ne manquez pas de laisser un message ou de nous écrire ou de nous faire des observations. Nous sommes là pour ça. Merci beaucoup. On se revoit demain dans un nouveau numéro. Au revoir.